Thank you.
Bonjour tout le monde, konnichiwa. Et konnichiwa. Est-ce que vous m'entendez? Ça bug. Alors attendez, je suis pas sur le bon micro. Attendez. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que oui. Mieux, ok, c'est bon. Je dis Naruto, vous écrivez Naruto dans les chats, les gens? Pendant que je fais les réglages? Naruto. Ah, yokatta. Konbanwa, minasan. Konbanwa. Genki desu ka? Alors, attendez. Là, c'est bon, c'est mon micro. Il n'avait pas pris mon micro. Là, normalement, vous m'entendez mieux. Oui, désolée, je devais souffler dedans juste pour voir qu'est-ce qu'il m'entendait. Comment ça va, tout le monde? Oh! 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 Merci beaucoup, Yujin, pour le sub. Merci beaucoup.
Heureusement que Prime est là. N'hésitez pas. J'ai attendu ce stream toute la journée. Oh, Mélanie! À Gourmané, j'ai pas eu le temps de pouvoir jouer à LOL aujourd'hui. Gourmané, désolée, Mélanie. Anthony, Gourmané, comment ça va tout le monde? Genki. Ah, hi, Genki. Watashi, Genki desu ne. Chotto tsure. Tsuku. Ah, j'ai bugué. Tsukareton dakedo, Genki desu. Bon, je vous laisse des bisous. Bah non, pourquoi, Snake, tu t'en vas? Bah non. Je me suis abonnée ce midi pour prolonger mon abonnement. Oh, merci beaucoup, I'm Skies. Bah du coup, ouais, ça s'affiche pas sur le live, mais merci beaucoup. T'es beaucoup trop gentil, vous êtes tous beaucoup trop gentils, c'est fou. Comment ça va? Je vais avoir un écho, je suis très content. Ah, Ina, Yurayamashi, t'as de la chance. Coucou Jessica, comment tu vas? J'ai le seum, j'ai pas Kakashi et Sasuke. Ah bah non, Kakashi et Sasuke, c'est pour les tiers 2 et tiers 3, comme notre cher Mayeux. À boire. Est-ce que j'ai à boire? À boire. Attendez. À boire en compagnie. Non, à bu. Attendez, j'ai pas à boire. Ah, attendez, faut que je me lève. Ah, c'est à boire. Kampai, minasan, kampai. Bonjour. Ah, Yong-san, qui t'a écouté, merci. Et Gachi-san a déjà arrêté? Fall Guys a déjà terminé? Mais c'est le plus beau des canards. Ah oui, le fameux canard. Bah, j'étais obligée de leur raconter. Comment te dire qu'on regardait des photos de canards et que j'ai pas pu m'empêcher de dire Big Boy? Et que du coup, j'ai expliqué pourquoi Big Boy, parce que sinon c'est trop bizarre. Mada yatteru. Ah, naruhodo. Naruhodo. Ja, koko ni kite ureshi. Arigato. Big Boy. Mais oui, c'est le Big Boy. Dès que vous voyez un canard, faut dire Big Boy. J'ai reçu le manuel aujourd'hui. Ah, trop bien! Yokatta, ureshi. Yokatta. Ganbatte ne. Hai, ganbarimashou, issho ni. Kyou wa katakana no juyo nan dakedo. Ganbarimashou. Atashi wa mou shiteru mochiran dakedo. Minna ni oshiete ageru ne. Eh bien, vu que je ne suis pas pris à boire non plus. Bah allez-y, en attendant que tout le monde arrive, comme d'habitude. On change pas nos petites habitudes, on papote avant le début du cours. Et oui, alors juste avant, j'étais sur un live avec un japonais qui faisait du Fall Guys. Et du coup, ce cher Young Molly, Molly-san, joue. Il jouait également. Je vous le montrerai sur le Discord du fameux Big Boy en bois. Oh oui, on veut la photo. Avec un petit everyone pour voir le canard. Merci beaucoup, Free Cookie, pour le follow. Follow shite kurete, arigato gozaimasu. Merci desu, Rishi. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment as-tu trouvé cette chaîne? Ah, konbanwa, Haruke-san, genki? C'est bon, j'ai mon diabolomante. Ah, Ina. C'est bon, les diabolomantes. Ina. Alors, est-ce que vous avez révisé vos katakana pour le test d'aujourd'hui? Do daro, mina, benkyo shita no. Vous avez tous révisé? Est-ce que ça commence à rentrer? Hier, il y a eu le petit tournoi avec que Mayo a organisé. Et Mayo, j'ai oublié de t'envoyer un message, j'étais très occupée aujourd'hui, désolée. Du coup, je t'en enverrai un certainement demain pour qu'on essaye de voir pour un potentiel planning. Comme ça, les gens ils savent qu'à tel jour, à telle heure, il y a un tournoi et ce sera plus facile. Et suyobi dane. Ah, mokuyobi dane. Son mokuyobi. Ah, Anawichi Green. Follow shite kurete. Arigato. Merci beaucoup pour ton follow. Merci. Comment vas-tu? Dis-nous, d'où viens-tu? Comment as-tu trouvé la chaîne? On veut savoir. Et si tu as des questions en japonais ou autre, n'hésite pas. J'ai raté le tournoi, mais c'était tournoi katakana hiragana Mélanie. Kore wa mo yatte ta yo. So. Je te préviendrai pour le prochain si tu veux. Mélanie est diplômée d'un master en littérature japonaise. Ça fait longtemps qu'elle lisait les kana, mais pourquoi pas? Non. Pas du tout, je suis trop occupée. Bon, c'est pas très grave, t'inquiète pas. Tu t'entraîneras aujourd'hui en regardant le cours.
Hop. Tout le monde est bienvenu, Sonnet, tout à fait, tout le monde est bienvenu. Bon, est-ce qu'aujourd'hui on va réussir à battre notre record de 60 personnes? Ici, c'est moins d'années. C'est une bonne question. Bon, je pense que du coup on va pouvoir commencer avec notre petit test. Est-ce que vous avez tous de quoi écrire? Du moins ceux qui veulent faire le petit test des katakana. Ah, Polocamp, Kambawa, bonjour, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Il y en a qui ont un peu révisé, il y en a qui sont déjà prêts. Oh, Magali-san, follow shite kureta, arigato, merci beaucoup pour ton follow, Magali. Comment vas-tu? Alors, question habituelle, d'où viens-tu et comment as-tu trouvé cette chaîne? Si tu as des questions, n'hésite pas, évidemment. Oui, mais je participerai pas si c'est les canas, c'est pas très fair play pour ceux qui les apprennent. Oui, il faudra que je joue avec toi, Mayu, mais je pense que j'essaierai en même temps d'organiser des concours par niveau, des petits trucs comme ça par niveau. Faut que je joue avec toi, comment on peut faire pour s'organiser. C'est pas l'examen 10 ce soir? Je me serais trompée? Ah, j'ai pas changé de numéro? C'est pas grave, c'est qu'un numéro. Le logo fondateur, ça veut dire quoi en fait? Ah, en fait, ça veut dire que tu fais partie des 10 premiers qui ont sub à la chaîne. T'es pas obligé de le garder, normalement des paramètres tu peux changer. Mais c'est juste une preuve comme quoi tu faisais partie des 10 premiers. Et quand, si un jour je suis partenaire, ce sera les 25 premiers à avoir follow qui auront ce petit logo. Presque 800 follow, ça en est. Et ça, depuis ce mois-ci, ça fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça, on level up, on level up. Je viens de découvrir ta chaîne dans mes recommandations, ça tombe bien, j'ai besoin de revoir mes katakana. Eh ben écoute, parfait. Bon, en attendant que je vais lire les messages. Donc en attendant, je vous montre le petit test d'aujourd'hui. Comme d'habitude, premier exercice, c'est un exercice d'écriture et le deuxième, un exercice de lecture. Je vous laisse le temps qu'il vous faut et dès que vous avez fini, vous le dites dans le chat et quand je vois qu'une majorité des gens l'ont fait, je vous montre la réponse. Bonsoir, je vais très bien ce soir. J'ai trouvé finalement par hasard la chaîne, je viens du sud de la France, je vais t'avouer que j'ai aucune notion de japonais. C'est la grande découverte. Oh, bah écoute, bienvenue à toi. Je vais faire un petit récap du coup ce qui a été fait. Je vais lire le message de Free Cookie aussi. Merci beaucoup pour l'accueil, j'ai eu ton compte Twitch en suggestion et comme je me suis mise à apprendre le japonais en solo, je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir un cours de japonais. Et bah écoute, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Ah non, hein, dites pas ça, hein. C'est le cours 4, c'est pas possible que ce soit le même quiz. Hein. C'est pas possible. Je me suis pas trompée. Non, je me suis pas trompée. Non, parce que la semaine dernière, j'ai fait A, I et E. Que représente un shuriken magenta? Alors, c'est pour le premier mois. C'est le premier mois de sub. Eh ben, c'est pas grave, on regarde pas et on le refait. Vous regardez pas et vous le refaites. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah non, en plus, j'ai pas l'examen sinon. Vous regardez pas. Du coup, ici sur la chaîne, cours de japonais de qualité, comme vous pouvez voir, pas de faute, jamais, non, jamais. Et on commence par les bases du japonais, c'est-à-dire apprendre à lire et écrire les deux premiers syllabaires. Actuellement, on est en train de faire les katakana, mais on a déjà fait avant le tout premier qui s'appelle hiragana. Donc, si vous souhaitez apprendre le japonais, je vous conseille de regarder le replay des autres cours précédents pour apprendre également les hiragana. Vous pouvez évidemment travailler tout ça sur le Discord d'apprenons le japonais et dessus. Vous pouvez poser des questions, etc. Donc n'hésitez pas à le rejoindre pour les nouveaux. C'est toujours pratique pour expliquer un peu les bases, etc., etc. Pas que c'est bon, j'étais pas là lundi. J'ai rien retenu, c'est autorisé de regarder sa leçon. Évidemment, pour ceux qui vraiment n'arrivent pas à le retenir, ça vous fait quand même un exercice de traçage et un exercice de découverte, donc n'hésitez pas. Dozo. Bah mince alors, pourquoi j'ai pas changé? J'espère que c'est le bon cours au moins. J'avais préparé pour une fois les gens, j'étais en avance. Lundi matin, j'avais préparé et le cours de lundi soir et le cours de jeudi soir. Alors je suis dégoûtée. J'avais tout bien fait et tout comme il faut. Les quiz étaient prêts, tout, la totale. Mais bon,
Il y en a qui ont déjà fini. Ça va, je l'avais pas fait celui de la dernière fois. Bah voilà, parfait. Kampeki, kampeki. Si, c'est celui de la semaine dernière, j'étais pas là. Bah oui, toi t'étais pas là, donc ça va, ça te pose pas de problème. Oh, Tofu qui stream avec un viewer. Il stream encore ? Moi, depuis ce matin, en me levant et en me connectant sur PC, j'étais lui dire un coucou et j'ai papoté un peu avec lui. Mais depuis ce matin, ça va, ça fait plus de 8 heures qu'il est en live. Mais il est fou, il est fou. Oui, il est sur Apex, il s'entraînait, il faisait toujours... il s'est entraîné genre au moins 3 bonnes heures, hein, et après il a commencé à faire des parties. Et il était là en mode, ah, oh, Apex, c'est trop compliqué, les gens, ils sont trop forts et tout. Je fais, mais ça va aller, t'inquiète. Mais oui, moi depuis ce matin, il est en live, je l'ai regardé ce matin. C'est quoi son Twitch? C'est Tofu Nandalo. Tofu ça? Oh, mal au bout, je m'en souviens pas trop. Ah, so. Tofu guys, ne? Tofu guys. Mina, arigato. So. So desu ne. Ah, petit radis a fini. Ça donne quoi les autres? Je vous laisse encore quelques petites minutes? Ou est-ce qu'on peut montrer la correction? Ah, Idril aussi a fini. Adjadam da Mina. Olisone. Hier j'étais sur son stream, on s'est fait du Fall Guys, on s'est régalé malgré la barrière de la langue. Bah tu m'étonnes, ce jeu là on peut s'éclater tellement, mais c'est trop bien comme jeu. Par contre je garantis rien, t'inquiète pas, taille jeu. J'ai fini mais pas beaucoup écrit. Gambatte Salisan, gambatte. Il faut du temps pour tout, t'inquiète pas. Un jour ça rentrera, si vous continuez à persévérer et à vous entraîner, et ben vous allez y arriver, promis. Promis. Si vous faites ça, vous allez y arriver. Je sais pas pourquoi je parle tout doucement. Peut-être parce que je suis un peu fatiguée, mais... J'ai passé toute mon après-midi à écouter les... Enfin, toute ma journée, finalement. En dehors des cours que j'ai donnés un cet après-midi. Et là, aujourd'hui, j'ai fait que écouter du japonais, pratiquer du japonais. Du coup, c'est un petit peu bobo-tête, je pense. Fini. La lecture ça va, mais quand je dois les écrire, je les ai oubliés. Ah, Gambatte Magali. C'est vrai que c'est le plus compliqué, surtout quand ça fait un long moment, un très long moment qu'on les a pas forcément vus. L'écriture, c'est ce qui revient en dernier. Ah, George Trevo, bonjour à tous, comment vas-tu? Coucou Jojo. Ça faisait longtemps, dis donc. Comment tu vas, George? Genki desu ka? Est-ce que t'es en forme? Il nous reste combien de lignes? Alors là, aujourd'hui, on va travailler les syllabes composées, donc kyakukyo, gagugyo, etc., etc. Et après, il nous restera les sons supplémentaires, cinquième cours, avec des petits exercices de retranscription, pour les prénoms notamment. Et le dernier cours, ça sera des exercices, je pense. Si c'est trop... Ouais, non, on fera des exercices, c'est toujours bien de faire des exos, même en live, c'est utile. Ça va, merci, bah, avec plaisir. Que fais-tu là? Dis-nous tout, c'est la première fois que je te vois ici. Comment as-tu trouvé cette petite chaîne? Coucou Nieli. Attends. Niel Li. Bonsoir. Comment vas-tu? Que fais-tu parmi nous? C'est vrai, tellement longtemps, exactement. Ouf, ouais, au moins 4 heures là qu'on s'est pas vu. Ouh. Je refais une deuxième fois, j'ai trouvé les mêmes kana, donc je pense que je suis bon. Ah, gambatte. Très simplement, j'ai vu japonais, j'ai cliqué. Parfait! J'aime la simplicité des choses. Bon, je pense que je peux vous montrer la correction du coup. Tada! Donc voilà, vous n'hésitez pas à me dire le score que vous avez eu en commentaire. Enfin, dans le chat quoi. Bah écoute, j'espère que tu te plairas bien parmi nous, Georges. Georges-san, pareil pour toi, Lié. Ah, j'arrive pas. Je vais t'appeler Nié. Niel-li, c'est trop compliqué, du coup je vais t'appeler Nié. 18. Oh, Gatsumaji. Koko ni kita no. Et Fall Guys, mon watta. Et mina kita no. Ya, hazukashi. Konnichiwa, uen shitemasu. Arigato.
Nina. Oula, sans la leçon zéro. Ada, gambatte, Liujin, gambatte. Oh, petit radis, omedetto, bien joué, 18. Kampe kine. Ça va et toi? Je m'excuse, je serai pas très bonne élève ce soir, je me prépare pour aller au boulot. Oh, t'inquiète pas, nié. Daijoube, daijoube. Konnichiwa, Mina. Mina, kita ka. Je suis limite choquée de mon cerveau. Mais non, t'es trop bien, trop bien. Pour Charlie, c'est la moyenne. Omedetto. Ah non, un peu moins, mais c'est pas grave, c'est très bien quand même. Omedetto, omedetto. Magali, très bien, très très bien. Bien joué tout le monde. Ja, gachi wa mou neni iku ka. Neru jikan ni natta ka na. Nihon de wa ima nanji? Osoi ne. Asa niji? Kore gurai ka na. Je suis limite choquée de mon cerveau. 16, j'ai fait. Alors, tu as eu faux pour le fou? Non, le pu. Le bu. Et après, naeta. Naruhodo? Naruhodo. Mae puro. So, ne? Ah non, so. Toutes ces personnes-là, elles viennent du tweet de Fall Guys que je regardais juste avant. Les hiragana, ça allait tout seul, mais les katakana. Ganbatte, Charlie-san. Ganbatte, ganbatte. Shinjiteru yo. Dekiru yo. So, 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 so. Minna, sugoi. Minna, jozu. Bon, bah très bien, excellent tout ça. Bien joué. Alors, du coup, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va travailler les syllabes composées. Aujourd'hui, syllabes composées, donc kyakukyo, gyakukyo, chachucho, etc., etc. Ah, Adridi, Adridri, comment tu vas? Yo, Genki, tu vas bien? Ah, good night. Oyasumi, oyasumi nasai ne, Gachi-san. Mata, isho ni asobimashou. Ashita wa live suru kana? Ashita wa live suru kamo ne? Oui! So, oui! So. Ah, yokatta. Page 82 du manuel pour ceux qui l'ont. Exactement. Pour les katakana, je te crois sur parole que c'est la page 82. So, on est. Oh, Jojo, arigato. Merci pour l'hébergement. Sors son manuel. Live, c'est le live. Faire un live. Live, c'est le... Quel manuel? Le fameux manuel. Oh, et t'embête pas à prononcer mon nom, c'est Lizzy sur le Discord. Nielly, c'est... Attends, c'est un vieux pseudo pour les jeux vidéo. Ok, ça marche. Moi, je vais t'appeler Nice, hein, ça sera plus compliqué. Lag, Koko wa lag wa nai. Il y a écrit les syllabes composées en gros, je pense. Pas me tromper, bah oui. Merci pour le point d'exclamation manuel, les gens, merci. Samedi, je pense prendre un cahier spécial japonais parce que là, c'est dans les cahiers de brouillon, du coup, je me perds entre tout ce qui est écrit cool et les cours chiants. Naruhodo. Bon, allez, on va commencer du coup pour aujourd'hui. Alors, on va commencer avec les fameux kya, kyu, kyo. Donc je réexplique pour ceux que je passe 30 minutes sur Duolingo, il va falloir que je fasse 40 minutes. Ah, ganbatte, Shali-san. Ah, je suis en retard. Ah bah, pas vraiment, on vient de commencer, de regarder la première ligne pour aujourd'hui. Donc ça va, tu n'as rien raté de spécial. Alors, aujourd'hui, du coup, on... syllabe composée, je me répète, hein, mais c'est pas grave. Et comment se forme une syllabe composée? Alors, c'est simple, vous prenez une syllabe en i et vous rajoutez des petits ya, yu, yo. Ici, par exemple, vous avez la syllabe ki, plus petit ya, yu, yo, ça nous donne kya, kyu, kyo. Kya, kyu, kyo. Au niveau du tracé, je vous montre ça. Donc, le ki, on commence par un égal, hein, souvenez-vous. Égal, qui est barré. Hop, et un petit ya. Hop, et hop. Et donc là, vous voyez, tout ça ici, il y a un espace. Hein. C'est pas de la même taille comparé à là. C'est pas de la même taille. Donc faites bien attention à le faire légèrement plus petit, votre petit ya, yu et yo. Donc je vous montre en même temps le q. 1 égale divisé pour le ki et le yu. Un trait, puis deux traits. Et enfin, le kyo, c'est ki, donc égal divisé, plus yo en trois traits. 1,
2 et 3. Taijobu kana? Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vous le remonte une fois en entier. Donc, qui plus ya? Qui plus ya? Qui plus you, ça fait Q. Et qui plus yo, ça fait kyo. Kyo, kyo, kyo. Je vais me faire les feuilles de tracé demain. Aha, iso, ne? Kanbatte, Haruki-san. Kanbatte. Moi, ça va. Ok, ok. Ja, tsuzukimashou ka. On va continuer du coup. Alors, ligne suivante, assez simple, c'est la même chose. Vous vous souvenez, hein, les ki, si on le dérive avec deux petits traits, les ten-ten, ça nous donne le son gi. Et donc, gi plus ya, gya, gi plus you, gyu, et gi plus yo, gyo. Ah, Cat Pac-Man, merci beaucoup pour ton follow. Follow shite kurete, arigato. Alors, comment vas-tu? D'où viens-tu et comment as-tu trouvé cette chaîne? Dis-nous tout ici, on aime bien savoir, on est curieux. Et si tu as des questions, ben, n'hésite pas, j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup pour le follow. J'attends le carnet avec impatience. C'est toi qui as passé une commande tout à l'heure? Si c'est toi, renvoie-moi ton mail, parce que bon, je ne l'ai pas encore faite, mais de base, la promo, elle commence pas aujourd'hui. Donc dis-le-moi que je te mette bien le carnet dedans. Naruhodo. Arigato, merci beaucoup Mayu pour la commande du coup. Alors, je vous montre le... le yo, on le trace comment? Le yo, on est sur du 2 traits, donc... Enfin, du 3 traits, pardon. Un trait comme ça, le deuxième et le troisième. Je fais ça après. Oui, t'inquiète, t'as le temps. De toute façon, t'es la dernière commande et t'es la seule que j'ai pas encore eu le temps de faire, donc je sais que... Je devrais pas me tromper. Mais bon, renvoie-moi quand même. Comme ça, je suis sûre que c'est bien toi. Merci en tout cas pour ta commande. C'est super gentil. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Donc du coup, Gia, on fait un ki. Plus des petits ten-ten. Plus un petit ya. Pour le gyu, on fait un ki. Plus des petits ten-ten. Plus le yu. Et enfin, pour le gyo, on fait un ki. Avec des ten-ten et un yo. Je vous laisse le temps d'écrire. Je sais pas si je vais trop vite ou pas. Les gyoza, ça s'écrit avec les mêmes syllabes. Gyoza, gyoza, non. Gyoza, c'est en hiragana. Gyoza wa hiragana de kamone. Je crois que c'est en hiragana. Tu as une boutique en ligne? Alors, oui, donc pour les nouveaux. Pour les nouveaux, le site c'est apprenonsjaponais.com et il y a quelques semaines, j'ai enfin publié mon manuel d'apprentissage pour apprendre à lire et écrire le japonais. Donc si vous voulez, si vous aimez ce que je fais, soutenir mes projets, etc., je vous invite fortement à commander quelque chose sur le site internet. Ça m'aide énormément. Autre moyen, évidemment, follow la chaîne, follow les réseaux, partager les publications si vous voulez faire quelque chose de totalement gratuit. Et mais si vous voulez investir un petit peu d'argent, voilà, il y a le manuel, il y a les petits trucs, les petits goodies sur le site internet et le sub, évidemment, à la chaîne qui fait toujours plaisir, même si c'est en prime. Le prime compte énormément, donc voilà, n'hésitez pas. Je viens de rentrer du boulot et je suis en retard. T'inquiète pas, Kalinours. Daijobu, daijobu. On vient de faire seulement deux lignes, donc je te la remets. On commence avec les kyakukyo. Et donc ça, tu connais déjà hein, le système des syllabes composées. Une syllabe en i plus des petits yayuyo. Et là, on vient de faire les gyagyukyo. Je viens de rentrer. Bon. Je vais manger à plus. Ah, matane, Lorode-san. Matane. Bon appétit à toi. Au pire, je reprends un manuel pour l'offrir à Noël. Allez, Leila-san, il en a tellement pas besoin. Il en a tellement pas besoin, Leila-san. Mais en effet, les gens, si vous avez des proches qui veulent apprendre le japonais, que vous n'avez pas besoin de ce manuel, mais que quelqu'un serait peut-être intéressé, ben, n'hésitez pas à faire vivre le site internet, à faire vivre la boutique. Voilà, un cadeau de Noël utile. Et pour tous ceux qui passeront commande, il va y avoir un petit plus. Alors attendez, je dois boire à Caleb. À ta santé.
Et alors, je vous le montre, pour ceux qui sont sur Twitch, mais ça sortira que samedi, la promotion. Il y aura ce petit notebook en plus qui sera offert. Attendez, c'est le moment promo. Donc pour tous ceux qui font une commande de 15€ plus, c'est-à-dire acheter le manuel parce qu'il coûte 16,99€ ou acheter des goodies jusqu'à 15€, vous aurez ce petit notebook en plus. Donc avec la luminosité, c'est pas évident pour vous le montrer. Et en fait, dedans, c'est des pages de traçage. C'est pour pouvoir tracer donc aussi bien les canas. Hein, vous voyez, c'est des choses de ce style-là. Aussi bien les kanas que les hiragana, enfin les hiragana c'est la même chose, que les kanji. C'est deux en un vu que c'est un notebook, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec. Donc voilà, n'hésitez pas à ce moment-là, pour faire des cadeaux à des gens, n'hésitez pas. oui, les syllabes composées c'est le plus simple, il faut juste connaître certains nombres de katakana sone. Sensei, la promo avec le marque-passe, c'est jusque quand? Alors, c'est jusque mi-novembre. Sachant que la promo, en fait, non, c'est pas jusque mi-novembre. Pour toutes les personnes, et je pense en fait que ça sera pas une promo, ça sera tout le temps comme ça. Dès que quelqu'un achète un manuel papé, il y aura un marque-page offert. Et en plus de ça, en fonction des périodes, Noël, Halloween, Pâques, etc., je ferai des petites promos, enfin des petits cadeaux offerts. Notamment, ça sera, je pense, des notebooks à chaque fois, c'est le plus simple pour moi. Mais avec un minimum d'achat, comme ça. Les gens, ils ont des petits plus en plus. C'est logique, des petits plus en plus. Qu'est-ce que je dis? Je vais aller voir sur ton site, je ne connais pas du tout. Bah écoute, n'hésite pas. Sur le Discord, si tu as des questions pour le manuel, que tu te poses des questions avant de l'acheter ou quoi que t'hésites, n'hésite pas à me les poser sur le Discord, j'y répondrai avec plaisir, évidemment. N'achetez pas ça... Alors, pareil. N'achetez pas ça juste dans le but de... m'aider, acheter ça aussi dans le but où vous, ça va vous aider à apprendre ou alors ça va aider quelqu'un à apprendre, d'accord? Alors évidemment, si vous voulez juste acheter pour l'acheter, bah évidemment, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est pas le plus utile, un manuel d'apprentissage, c'est pour apprendre. Sans. Je suis sur le site. Il est trop mignon, le caillou. Bah oui, il est cute. On l'a fait... Alors, Kalinurs m'a grandement aidée. Et on a fait un vote sur Discord. Il y avait trois couvertures différentes à voter. Et ça, on a choisi tous celle-là ensemble. Et en fait, de dos, c'est le même, mais en pas. Enfin, c'est perpendiculaire. Si vous voyez ce que je veux dire. Ils se rejoignent. Voilà. L'offre est déjà valable. Alors, si vous venez du Twitch là, vous pouvez commander... Et vous m'envoyez un mail en disant « Voilà, je suis telle personne, telle commande, j'ai commandé, je voudrais le notebook. » Et comme vous êtes sur la chaîne Twitch, il n'y a pas de souci, je vous fais la promo un peu en avance si vous êtes impatient de l'acheter. Sinon, ça sera à partir de samedi, si. Voilà, si vous voulez attendre. Mais dans tous les cas, vous êtes sur les live Twitch, donc vous êtes tous des VIP. À chaque fois, vous savez tout en premier. Candy, c'est la boss. Première du travail de Sensei sur Illustrator. Non mais j'ai tellement galéré. Heureusement que tu m'as un peu aidé parce que... Symétrique. Ah oui, symétrique. Pas parallèle. Symétrique. Merci. La bosse avec deux lettres, exactement. Bon allez, on continue du coup. Comme ça, j'ai laissé le temps à Kalinurs de reprendre. Alors, le suivant, c'est le chachucho. Pour faire chachucho, on va prendre une syllabe en chi. Et on va mettre des petits ya yu yo. Donc, chi plus ya, cha. Ah, pur-san, kanbanwa, genki desu ka? Tu vas bien? Comment tu vas? Ah, je suis un matheux à la base. Et moi donc, bac-s. J'ai un bac-s, les gens. Donc, cha, donc c'est chi plus, oh là là, ya. Il veut pas, la souris veut pas. Chu, c'est chi plus you. Ça va, merci. Et toi? Ça va, super. Ça va, super. J'ai fait plein de trucs aujourd'hui. Un peu fatiguée, mais j'ai la forme quand même. Et le dernier, chou, parce que faire un live avec vous, c'est toujours un plaisir. Vous êtes tellement cool. Chou. Donc, chi plus you. Yasha. Cha, chu, chou. Ça, c'est la première, enfin, troisième ligne, du coup, des syllabes composées. Ça va, je vais pas trop vite, les gens. Dites-moi hein, si vraiment je suis trop rapide et que vous avez pas le temps de prendre des notes. N'hésitez pas. Daijoubu kana, daijoubu kana.
Donc ça a l'air d'aller. On continue. Ouh là là, le Nightbot, faut que je le règle. Il fait trop de messages, je sais pas pourquoi. Il fait beaucoup trop de messages. Et on continue, du coup, ça a l'air d'aller. Donc là, on a fait en chi. Si on rajoute des ten-ten, souvenez-vous, on va obtenir le son di. Et donc, di plus petit ya, ça nous fera ja. Di plus petit you, ça nous fera ju. Et di plus petit yo, jo. Il parle plus que nous. Mais oui, vous êtes tous concentrés, c'est pour ça. Mais pourtant, j'ai mis, je crois, dans les 15 minutes à chaque fois pour chaque. Et j'ai dû mal régler. Donc, je vais régler ça tout à l'heure. Ja. Donc, on fait chi. Plus des ten-ten pour obtenir ji. Plus petit ya pour obtenir ja. Pour le ju, pareil. On fait chi. Suivi de deux petits traits, les ten-ten, pour faire ji. Et on rajoute un petit you pour faire jo. Et enfin, jo, on commence avec un chi, plus de petits traits, les ten-ten, plus un petit yo. Et ça nous fait jo. Oh, attendez, ça va vraiment pas, ça me perturbe. Je vais changer le nightbot maintenant. Je sais pas ce qu'il me fait, comme ça vous avez le temps de prendre les notes. Je ne sais pas ce qu'il me fait, mais je vais faire les messages toutes les 30 minutes, parce que là, c'est beaucoup trop rapide. Totalo time edit. On va faire ça toutes les 30 minutes hein, parce que là c'est un peu abusé. Hop. Voilà, j'ai mis 20, 30 et 40 minutes. Comme ça on est tranquille. Yosh. Nightbot chute, c'est exactement ça. Jojo, so, Jojo. Oh, Mel-san, konbawa, bonjour à toi, comment tu vas, Mel? C'est bon, j'ai tout rattrapé. Perfect. En fait, le Nightbot, il faisait ça juste pour que Kalinours puisse rattraper. Il est gentil, Nightbot, il est gentil. Candy-sensei, kanbatte, oyasumi nasai. Ah, arigato, emo, ittano. Il est encore là. Arigato, arigato. Ja. Mata ashita kamo ne. Mata ashita ne. Oyasumi nasai. Kite kurete arigatou gozaimasu. Totemo urushii desu. Merci d'être venu. Merci. Les japonais qui viennent sur mon stream, je suis tellement contente à chaque fois. C'est... alors qu'ils comprennent rien, je parle en français. Bye bye ne. Mata ne. J'ai raté beaucoup. Alors là, on est actuellement à la 4e ligne. Bon, en revue, mon écriture est horrible, mais non, ça va le faire, t'inquiète. Je remonte ce que l'on a fait depuis le début pour les petits retardataires. Du coup, Mel prend bien de quoi écrire, c'est le moment de rattraper. On est actuellement en train de faire les syllabes composées et on vient de voir kyakukyo. Kyakukyo, ki plus petit ya, ki plus petit you, ki plus petit yo. En plus de ça, on a les dérivés. Tu te souviens, enfin vous souvenez, qui, on peut le dériver en gi. Et du coup, les syllabes qu'on va se poser, ça va être la même chose, ils vont être dérivés en gi. Gya, gyu, gyo. Gya, gyu, gyo. On a kya, kyu, kyo. Et si on rajoute des ten-ten, gya, gyu, gyo. Et là, on était du coup sur la deuxième ligne, la ligne des S, avec sha, shu, sho, donc shi plus petit ya, shu, shi plus petit yu et shi plus petit yo. Et on venait de voir également les dérivés, donc souvenez-vous, shi avec des petits traits, les ten-ten, on obtient ji. Et donc ji plus ya, yu, yo en petit, ça nous donne ja, ju, jo. Et on est arrivé là, pour le moment. Va falloir que je travaille l'écriture de mon J, un gros souci de proportion entre tous les traits et aussi les ten-ten. Alors, avec le manuel, normalement, tu vas pouvoir réussir à proportionner tout ça, je pense. Il y a l'explication dans le manuel de la différence pour les katakana tsu, shi, so et un. Donc, oh, Tebe-san, bonsoir, konbawa, comment vas-tu? Comment est-ce que tu vas? Genki desu ka? À quoi ça sert les traits entre les katakana? Alors en katakana, les traits, c'est l'allongement de la voyelle. En hiragana, c'est avec des voyelles, sauf qu'en katakana, c'est avec des traits. Donc par exemple, quand on dit supa, su-u, le u en fait c'est un trait. Supa. Shania a une super belle écriture. Bah, vous avez tous une très belle écriture. Hein. Quand je vois ce que vous mettez en correction dans le sub,
C'est, dans l'ensemble, vous avez tous une excellente écriture, d'autant plus comparé à moi. Je n'écris pas très bien des fois en japonais, mais surtout quand j'écris vite. Mais je vous assure, vous écrivez très bien. C'est très très bien. Allez, on continue du coup. On continue, ligne suivante, la ligne des Ti. Ça va, merci. Eh ben, je suis très contente que tu ailles bien. Alors. N'hésite pas à prendre de quoi écrire si tu veux suivre le cours et à poser des questions si tu en as. Alors, pour la ligne des cha, tu, cho, et faites bien attention, hein, vous le savez déjà, normalement, si c'est un C, il y a le son T qui est devant cha, tu et cho, et pas cha, chu, cho. Cha, chu, cho, c'est avec un S. Hein. Cha, chu, cho, il a cha, tu, cho. Pour l'écrire, on prend la syllabe D en I, qui est chi, ah, il veut pas, qui est chi, et idem, on rajoute un petit ya à côté. Et après, on met chi plus un petit you. Et ça nous fait tchou, tchou, tchou comme le train. Et enfin, chi plus un petit yo. Yo, yo, yo. Ah d'accord, merci. Du coup, on les place après la voyelle à allonger ou avant? Après. Su ou pas. Su ou pas. Tu mets su, un trait et pas. Su ou pas. Mais on verra ça dans le cours de lundi, dans tous les cas, donc t'inquiète pas, on va le travailler ensemble. Bon, moi habituellement, c'est la même, mais la reprise rapide, c'est horrible. Les proportions sont pas trop respectées. C'est pas grave, Kalinours, t'auras le temps après, enfin, si tu prends le temps après, de pouvoir les réécrire au propre et tout, avec le petit carnet. Donc ne t'inquiète pas, ça va aller. Hop. On continue les gens, c'est bon pour vous? Vous avez le temps d'écrire? Do desu ka? Daijoubu kana? Daijoubu kana? Minna wa do? Do daro, do daro? Ah! Derek qui a eu un bug. Quel est ton bug? Bug informatique ou bug de compréhension des katakana? Pour Kalinours, c'est bon? Do daro ne? Salut, super ce que tu fais. Oh, Sasori! Arigato! Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup pour ton follow. Follow shite kurete arigato gozaimasu. Merci, c'est très gentil. Alors, question habituelle, comment vas-tu, Sasori? D'où viens-tu et comment as-tu trouvé ma chaîne? Du coup, dis-nous tout. On est très très curieux ici, on aime bien tout savoir. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Too cute notebook. C'est vrai que je suis contente du travail que j'ai fait avec l'aide notamment de Kalinours et de votre vote qui était très judicieux. Le notebook est très très joli. Plus que 9? De quoi plus que 9? Ok, c'est bon, cette fois-ci les proportions sont plutôt bonnes pour moi. Oh! Déjà, Suzukimasho, on continue du coup. On arrive sur la ligne des N. Nya, nyu et nyo. Nya, nyu, nyo. Donc pareil, souvenez-vous, en japonais, deux, ça se dit ni, et pour ni, il y a deux traits. Voilà, ça c'est le petit moyen mémotechnique en général. Nya, donc ni plus petit ya. Nyu, ni plus petit yu. Et nyo, ni plus petit yo. Nya, nyu, nyo. 9 jusqu'à 800. Ah oui, c'est vrai que ça va super vite. Ça en est. Il y a un quiz aujourd'hui, oui, et le quiz il sera enfin dès qu'on aura vu toutes les syllabes composées. Aujourd'hui, ce n'est pas un très très gros cours, c'est pour ça que je prends le temps aussi de parler, de vous réexpliquer, de prendre le temps de revenir en arrière parce que le cours sera assez rapide. Là, on est déjà à plus de la moitié des cours. Et il y aura un quiz de 15 questions, si je ne me trompe pas, sur ces 10 syllabes composées. Enfin, c'est 10, c'est 10 syllabes. Je serai le 800e. Ah, parce que Adridri, t'as pas encore follow. C'est pour ça. Naruhodo. Et du coup, oui, petit karaoké à 800, évidemment, il n'y a pas de souci. Sonne, t'es quel nez? Alors attendez, je bois un peu, j'ai soif, je sais pas pourquoi. J'ai trop soif. À chaque fois que je bois, j'ai l'impression que ça me désaltère pas en fait. Merci Adridri. Je rebois du coup.
Je sais pas pourquoi l'eau, elle me désaltère pas. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a tout le monde qui va me noyer. Je veux boire, pas me noyer. Shania, évidemment, à ta santé également. Je sais qu'au fond, c'est pour... Parce que vous pensez à moi, vous savez que... Nodo ga kawaii takara, parce que j'ai soif et tout. Merci Charlie, c'est très gentil. Merci Dera, je bois à vos santé pour les deux. J'ai plus de potions, mais je bois de l'eau du coup. C'est ça que j'ai oublié de faire, j'ai oublié de retirer les trucs d'Halloween. J'ai oublié. Naruto? Naruto, koko ni iru no? C'est de la bienveillance pure, évidemment. Et écoute, j'ai lu le message de Saint-Solisov. Si tu as des questions, vraiment, n'hésite pas. Hein, vu que tu découvres, là, actuellement, on est en train d'apprendre les katakana, c'est la deuxième syllabaire, et on est en plein milieu des syllabes composées. Et du coup, nous, on va avancer maintenant que j'ai bien bu. Il fait trop chaud dans ton appart, et donc tu perds trop d'eau. Même pas, il fait pas si chaud que ça. Il fait vraiment pas si chaud. Il y en a qui jouent à Fortnite ici. Mon petit frère joue à Fortnite, mais il n'est pas ici. Mince, elle va prendre mon carnet. Il y a son akotona, Allez, on continue. Pour les hia, hiu, hio, on va commencer avec la syllabe en hi, hi, h plus i, hi. Plus, évidemment, vous l'avez compris, un petit ya. Ensuite, on a hiu, un hi, plus un petit hiu. Et enfin, hio. Oh là là, qu'il est moche mon trait. Hyo plus un petit. Donc hi plus un petit yo, pardon. Et moi je dépasse, mais c'est pas très grave, c'est la souris. Je sais pas à quoi servent ces genres d'icônes, mais bon, je fais quand même. Malheureusement. Tu donnes des cours de japonais en dehors de Twitch? Oui, tout à fait. Alors, il y en a quelques-uns dans le chat qui peuvent t'en témoigner. Et en effet, je donne des cours particuliers. Et de base, je donne aussi des cours collectifs en présentiel sur Lille, au Petit Compigny. Mais vu que Covid, pour l'instant, et que de toute façon, le Petit Compigny déménage à Lille en début d'année, les cours collectifs sont pas maintenus pour le moment. Mais les cours particuliers à distance, évidemment. Si tu as besoin d'informations, ben tu envoies-moi un message sur les réseaux sociaux, hein. Soit Insta, soit Facebook ou Discord. Les trois là, je suis assez réactif. Discord, enfin Twitter, j'y vais presque jamais. J'y vais jamais, mais bon. Moi, je les commande bientôt. Ah, Sohone, c'est vrai que tu m'avais envoyé un message pour pouvoir prendre des cours de japonais. Tachikani, Sohone. Oh, coucou Sylvain, comment tu vas? Merci beaucoup pour ton follow. Merci. Alors, question habituelle, les gens ont l'habitude. Comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment as-tu trouvé cette chaîne? Dis-nous tout. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Et j'y répondrai avec plaisir. Ah, on arrive bientôt aux 800, les gens. Bientôt. Le jour des 1000, ça va être un cap aussi sur Twitch. Hein. 1000 personnes, c'est beaucoup sur Twitch. Allez, on continue, c'est pas bien compliqué, c'est le dérivé de hi, c'est bi, bi. Si je trouve ton pseudo, c'est Kendi, Kendi, apprenons le japonais. Dans les membres, je suis tout en haut en violet, ou sur les salons, accueil, tu me trouveras en violet. Bonjour tout le monde. Ça va Sylvain, tu vas bien? Merci encore beaucoup pour ton follow, c'est super gentil. Alors, pour bia bio, on commence avec le bi, donc hi plus des tenten plus un petit ya. Ensuite, biu, c'est hi plus les tenten pour donner bi. Et ensuite, yu pour donner biu. Ça me fait bizarre, vu que mon prénom dans la vraie vie c'est Sylvain. Il n'y a que deux sensei en violet, c'est Kendi et Judai. Sohone. Judaichi, j'ai l'impression que tu m'appelles. J'imagine. Et enfin, la dernière, c'est bio. Hi, plus petit tenten, plus yo. Et ça nous donne bio. Bio. Et bia, bio. Bia, bio. Taijoubu kana.
Regarde tes chuchotements. Ils vont faire des parties de Fortnite. Natasha, c'est un game, Nigatedes. Je suis vraiment nulle à Fortnite. J'ai déjà essayé une fois et vraiment, je n'y arrive pas, je crois. Trop compliqué, trop de touches, trop de trucs à faire, trop... Non. Fall Guys, c'est bien. Tu te prends pas la tête, t'avances, t'avances. Ou tu tombes, mais t'avances. Ou tu tombes. League of Legends aussi, j'aime beaucoup, mais... Hitolita, c'est Benoît. Tchao, ton Molina. Heureusement que Mélanie est là pour jouer avec moi de temps en temps. C'est super, Fall Guys, mais oui, c'est trop trop bien. Allez, on continue du coup. Autre syllabe dérivée des H, c'est en P. Avec les petits pia, piu, pio, pia, piu, pio. Donc, pour faire en P, on fait hi plus un malu, un petit cercle, et un petit ya. Pour le piu, on commence un petit trait, deux petits traits pour faire le hi. On dérive avec un trait pour faire pi, et on rajoute un petit you pour nous donner piu. J'ai hâte de faire ma première partie avec toi après l'anglais japonais. Bah, dans la semaine, en vrai, c'est très probable. Demain, non, parce que je serai en live sur la chaîne de Jojo pour faire un Among Us. Mais samedi, certainement. Faudra que je regarde ce que j'ai à faire. Mais samedi, potentiellement, je referai un live Fall Guys. Donc, tu seras évidemment le bienvenu. Je vais essayer de faire tourner un peu tout le monde, ceux qui veulent jouer, parce que il y a Maeva, il y a Sonjo de All Snake, maintenant il y a Maye, il y a Derek, et il y a Shania qui a acheté aussi, donc je vais essayer de faire tourner un petit peu tout le monde à chaque fois pour pouvoir jouer. Et on finit du coup avec le pio, pi, ta hi, plus un malu, pi, plus un petit yo, pio. Tu voulais pas faire un Phasmagoria? Il faut que je le fasse aussi ce jeu, mais j'arrive toujours pas, ça, il bug encore et je sais pas pourquoi, ça m'énerve du coup, j'ai pas envie que ce soit la même catastrophe. Il faut que j'essaie de le faire juste en étant sur Discord, voir comment faire, et si j'y arrive, je referai ça en live, mais pour l'instant, voilà. Ah, samedi, j'ai ma fille, je suis pas sûre de pouvoir jouer. Bah, c'est pas grave, après, en ce moment, je suis à fond Fall Guys, donc même la semaine pro, je vais jouer, donc t'inquiète pas. Je commande le manuel ce soir, j'ai hâte de l'avoir. Ah, merci beaucoup. Alors, vraiment, dès que tu le commandes, envoie-moi un mail tout de suite pour me dire j'ai passé ma commande, c'est tel numéro, j'étais là sur Twitch. Comme ça, tu auras le droit au notebook aussi. D'accord? Tous ceux qui. Bon. Je vais la lancer aujourd'hui, la promo. C'est simple. Je la lance aujourd'hui. Je ferai les trucs sur Internet samedi. Mais bon, il n'y a que ceux qui sont en live qui seront au courant. Donc, tous ceux qui commanderont le manuel à partir d'aujourd'hui jusqu'à fin décembre, du coup, c'est une promotion pour Noël, vous aurez le droit au notebook. Comme ça, ce sera plus simple. Ça évitera les mails inutiles. Je mettrai le notebook partout. Allez, on continue, les gens. On va bientôt arriver à la fin des lignes. Ton mail est sur le site... Oui, dans la case contact. Alors, on commence avec la ligne des M, du coup. Mia, miu, miu, mia, miu, miu. Alors, mi, c'est les trois traits, plus petit a. Vous commencez à comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous commencerez à comprendre, je pense, le système. Miu, pardon, c'est mi plus you. Et pour mio, mi plus yo. Voilà, je vous laisse les écrire. Il y a moyen d'avoir le notebook autrement que par la promo? Non, malheureusement je ne le mets pas en vente parce que j'ai je sais pas les droits que j'ai en tant que vendeur sur le fait que l'histoire elle soit libre de droit. Kalinos me dit que normalement je peux vendre. Mais j'ai un peu peur, ça me retombe dessus, je sais pas pourquoi. J'ai un mauvais pressentiment si je le mets en vente. Parce que normalement, ce notebook, il est offert pour 15€ d'achat sur le site internet. Donc voilà, il faut que je me renseigne. Si je peux le mettre en vente, je le mettrai en vente. Mais voilà. Voilà. So.
Alors, Gyojin, c'est un Insta de quoi? Si c'est en lien avec le Japon, le japonais, y a pas de souci. Sinon, non, parce que c'est totalement hors sujet à ce qu'on fait actuellement. Désolée, mais j'aime pas... Enfin, si c'est utile à l'apprentissage du japonais ou pour le Japon, oui, sinon, tu n'es pas au bon endroit pour faire ça. tu trouveras d'autres chaînes. Allez, on continue. On arrive à la fin. Là, c'est la dernière ligne pour les... Nightbot est de retour. Ben ouais, mais c'est pas normal. J'ai mis toutes les 30. Allez, nani. C'est pas très grave. Je ferai mes modifs plus tard. C'est que j'ai mal réglé. Parce que maintenant, il y a 3 messages. Donc, il faut que je règle ça. Ah, daijobu des. Du coup, en R, on est sur la ligne du coup des lia lieu. Par contre, lieu Jin, tu peux mettre ton Insta sur le Discord. Il y a un endroit spécial pour ça, pour pouvoir mettre les liens de vos comptes si vous voulez les faire connaître. C'est dans tableau d'affichage tout en bas, communication. Là, tu peux mettre ton lien, il n'y a pas de souci. Tekiryo. Donc, lia lieu lio, on fait un li plus un petit ya, un li plus un petit yu, et un li plus un petit yo. Et ça nous donne lia, lieu et lio. Merci de l'info, sensei, avec plaisir. Ah, trop chou cette émote. Oh mon dieu, je la veux, elle est trop cute. Avec le petit cocolo. Kawaii. Kawaii. Trop chou. Beaucoup trop mignon. Coucou, trop cute. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Daijoubu desu ka? Est-ce que ça va? Bon, vous l'aurez compris, c'est le même principe que pour les hiragana. Hein. Sauf que là, vous devez tout mettre en version katakana. Donc... Je vous remonte une dernière fois avant de faire le quiz du coup. Alors, on a Kia Kyu Kyo. Je suis trop fatiguée, à la place de Li, j'écris Tsigaone, c'est pas la même chose. Donc, Kia Kyu Kyo, Gya Gyu et Gyo. Donc là, ce sont des dérivés, hein, c'est la même chose, sauf que pour Gyo, les Angers, on a des Tenten. Ensuite, Sha, Shu, Sho. Et c'est dérivé avec les deux petits traits Ja, Dieu, Jo. Ensuite, pour la ligne des T, on a vu Cha, Tu, Cho. N, Nya, Nyu, Nyu. Pour les H, Hya, Hyu, Hyo. Première dérivée en B, Bia, Biu, Bio. Et en P, Pia, Piu, Pio. Quel channel, sensei? Alors, c'est tout en haut, tableau d'affichage, et tout en bas, communication. Tu verras qu'il y a des gens, ils mettent leur chaîne Twitch et tout. Si tu cliques dessus, tu verras. Ça va être marqué pub, quelque chose de ce style-là. Pia, piu, pio. Après, les M, mia, miu, miu. Et enfin, les R, lia, liu, yo. Minasan, daijoubu desu ka? Ça va tout le monde? Est-ce que vous êtes prêts pour le petit quiz? Le channel pub, oui, c'est ça. Je vois même pas où mon esprit a mélangé car ils se ressemblent même pas. Alors, il y en a qui les confondent parce que Li, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu vois? Enfin, c'est... Non, tu le vois à l'envers du coup, mais... T'as le Li et il y en a un trait qui est un peu plus penché que l'autre, c'est juste ça. Cho, très important pour chocolato, exactement. Sinon, vous pouvez pas savoir dire chocolat et l'écrire. Chocolato, sonne. Je ne comprends pas ton Discord. Eh ben, dommage. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Pourtant, les noms sont marqués dessus. Tu peux cliquer dessus, tu vois complètement le contenu, mais c'est pas très grave. Nandemonai. Bon. Bah écoutez, si vous êtes prêts pour le quiz, je vais lancer tout ça. Alors, mon tableau de bord. Quiz.
rap, c'est en train de se lancer. Yo, Chris. Et le quatrième, il est là. S'il y a pub. S'il y a pub, je sais, il y a pub. Il est où? Il est où le Discord? Ah, j'ai pas lancé Discord. Mais si, il y a pub. Si, si, communication. Vous êtes prêts? Bon, allez, je lance alors. Je vais essayer de pas dire les réponses cette fois-ci. Je vais sortir mon manuel manger au Japon. Ah, j'ai faim, tu dis ça et j'ai faim du coup. Ah, coucou Noé-san. Alors, Noé Berthe, bonsoir, bienvenue, comment vas-tu? D'où viens-tu? Voyons, on a crasse de questions ici. Sinon, ce sera clip. Ouais, vous allez garder les preuves sinon. Ça va être difficile, Sensei, de pas dire les réponses. Mais ce il y a une journée compliquée. Pourquoi je fais ma gogole? C'est pas bien. Ça va, merci. Et vous? Ça va, super. N'hésite pas à me tutoyer. Hein, ici, le vouvoiement, c'est très peu pour moi. Évidemment, si tu préfères, il n'y a pas de souci. Hein, mais bon, voilà, ici, on est très friendly. Entre nous. Je vais pas screenshot, ça sert à rien, mais bon. Ok, ok. Je regarderai ça après. Allez, on commence le quiz, du coup. Normalement. Les règles vous sont actuellement envoyées. T'inquiète pas, Ludine, je t'identifierai juste après, quand le live sera fini. Ah là là. Ah, j'ai mal au dos, punaise. Les règles vous sont envoyées. Alors, pour ceux qui sont sur PC, ça sera sur mon écran. Pour ceux qui sont sur téléphone, il faut cliquer en haut à droite sur le petit quiz kit, accepter tout le tralala et vous aurez accès dans le chat au jeu avec la question et les réponses. Oh, c'est trop classe. Ah, t'avais pas encore vu? Faut faire quoi? Alors, avant de lancer le jeu, je réexplique. Il va y avoir une question et c'est à choix multiples. Le but, c'est de trouver la bonne réponse. Plus vous êtes rapide à trouver la réponse, plus vous avez de points. Si vous ne répondez pas, vous ne perdez pas de points. Si vous répondez pas bien, vous perdez des points. Donc, c'est stratégique. Si vous ne connaissez pas, des fois, ça vaut mieux de ne pas répondre. À la fin, il y aura un classement. Bon, il n'y a pas grand-chose à gagner, mais juste les félicitations et les clap, clap, clap de tout le monde à la fin, grosso modo. Ça va être des questions de lecture et d'écriture. Voilà, il y aura les deux. Comment on lit tel katakana, comment on écrit tel katakana, tout simplement. Et vous avez un temps de 15 secondes pour pouvoir y répondre. C'est nouveau ça? Ben oui, 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 depuis la semaine dernière. Je vois pas l'extension. Si tu es sur téléphone, c'est en haut à droite de ton chat. Tu as un petit carré, il faut cliquer dessus. Et Mayeux nous a fait un très beau Discord qui est disponible dans annonces épinglées. Donc si vous avez besoin, après le... Si tu es sur PC, eh ben, ça va s'afficher sur l'écran, tout simplement. Sinon, il faut que tu cliques. Alors maintenant, il y a les trucs de Prime. J'ai ajouté des extensions. Donc, ben non, tu le vois, moi je le vois. Ça s'affiche automatiquement. Sinon, il faut que tu cliques à droite sur Quiz Kit. Et ton quiz kit, tu le mets visible. C'est peut-être qu'il n'est pas visible. C'est qu'il ne doit pas être visible. Bah écoute, je ne sais pas. T'as bien appuyé sur le petit bouton à droite, en plein écran, sinon tu ne le vois pas. T'as la couronne et Quiz Kit. Il faut que tu cliques sur Quiz Kit, tu le rends visible. Et ensuite, tu vas avoir du coup les règles qui vont apparaître. Eh ben alors, je ne peux rien faire pour toi, le Harlequin. Tu n'as pas de chance. Tu n'as pas de chance. Alors, Nye nous dit qu'il faut aller à droite et gérer les accès. Regarde en faisant ça. On a le temps, on a le time là. Et on a 15 questions et après on a fini. Donc le cours est très rapide aujourd'hui.
Je vais lancer, peut-être qu'en le lançant, tu le verras. Allez, je lance la première question. Lequel de ces katakana correspond à la syllabe kia ? Première, deuxième, troisième, quatrième. Réponse, totsideska. Oh, je vois. C'est bon. Et vous voyez au fur et à mesure les points dégringolés. Dodaro. Et donc là, il faut qu'on attende que tout le monde, parce qu'il y a un peu de décalage, donc il faut que j'attende que tout le monde donne la réponse. Et une fois que c'est fait, j'aurai le résultat. Oh non, je faisais autre chose et j'ai mis clic. Oh non. On montre la réponse. Et la réponse était Kia. C'était la dernière. Et c'était presque un sans faute. Presque. Et là, du coup, on vous envoie tous, j'explique pour les nouveaux, la réponse. Et le temps que toutes les réponses sont envoyées, je peux lancer la prochaine question. Maillot qui m'explique. C'est un nain. Ti. Allez, question suivante. Lequel de ces katakana correspond à la syllabe pio? Pio. C'est trop bien! T'as vu? T'as vu, Sylvain? Est-ce que, Liu Jin, tu as tous les rôles de ce serveur? Est-ce que tu as tes rôles? Si tu ne les as pas, c'est pour ça que tu vois pas. Oh, je suis très lent. c'est pour ça que tu le vois pas, alors cherche pas. Il faut que tu choisisses tes rôles. Dans ta bleu affichage, tu prends tes rôles, tu lis. Faut lire un petit peu. Je vais devoir me dépasser pour dans le reste. Ganbare, Mayu, ganbare. Allez, on montre la réponse du coup. Oh, presque imparfait. Du coup, c'était la deuxième réponse. J'ai une question qui n'a rien à voir avec le cours, mais qui concerne le japonais. J'ai lu dans un livre que le terme « domo », on l'utilise quand on donne quelque chose à quelqu'un et qu'il se traduit par « s'il vous plaît ». En ce moment, je regarde l'anime Pokémon que je conseille au passage, et « domo » est souvent utilisé, mais pour dire « désolé » ou « merci ». Il y a vraiment une signification différente en fonction du contexte, ou c'est moi qui interprète mal. Oui, oui, il y a une... C'est comme « sumimasen ».« Sumimasen », c'est « désolé » et « merci ». Et « excusez-moi ». Ça veut dire plein de trucs en fonction du contexte. Domo, c'est un mot multiple, enfin un sens multiple tout du moins. Et du coup, domo, vraiment c'est un mode je vous en prie, domo s'il vous plaît, prenez. Domo, merci. Ah, domo, merci et désolé encore de vous avoir dérangé. C'est à ce sens là aussi. Bon, question suivante, question numéro 3. Lequel de ces katakana correspond à la syllabe shu? Première, deuxième, troisième ou quatrième réponse? Minasan do daru ne? J'ai eu un doute. Soka. On croise les doigts. Muzukashi ne? Celui-là, il y a les petits pièges, alors c'est pas évident. Entre le chou, le chou, le jou. Sen. Yasashikunai, ne? Je suis pas gentille, hein. Oh! Il y a 3 personnes qui ont vraiment bien hésité. Sinon, la majorité a encore eu une très bonne réponse. Bien joué, le chat, vous êtes. Je vous mets des clap. En attendant, ils sont mes clap. Vous faites un très bon score pour le moment. C'est très bien. Bon, ok. Je fais n'importe quoi aujourd'hui. Ganbatte, Mayu. Ganbatte. Concentre-toi bien. Daijoubu. Les clac-clac de Kakashi et de Sasuke. Tu peux forcément y arriver. Allez, question suivante. Lequel de ces katakana correspond à la syllabe cho? Cho wa. Doti desu ka? Je dois avoir un bug, j'ai tous les rôles, mais je vois pas le quiz. Le quiz, il est sur Twitch, hein, pas sur Discord. C'est le tuto qui est sur Discord. Je viens de me rappeler qu'il faut que j'imprime mes feuilles de tracé. Ah bah oui.
je vous montre la réponse pour cette quatrième question. Oh, 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 j'ai perturbé plein de monde. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que... Nani, Nani? Je vous ai perturbé. Il y avait trop de pièges. Un émote? Ah bah oui. Évidemment. Allez, question suivante. Question numéro 5. Lequel de ces katakana correspond à la syllabe nia? Nia. Nia wa dochi desu ka? Ah bah oui. Parce que je le dis souvent. Je me rends pas compte. Je dis souvent ah bah oui. Je sais mes tics en japonais, en français, je les sais un peu moins. Ah bah oui. Mince, monsieur trompé. Oh, zanen, zanen. Souvent, d'accord. Ça existe, mia. Alors oui, mais c'est M-Y-A. Mia, 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 mia. Ah oui, j'utilise une extension qui bloquait les cuisses et j'ai mis clic quand j'ai refresh la page, flûte. Ah, naruhodo, naruhodo. Oh, très bonne réponse de la part du chat. Trois petites erreurs, mais c'est pas grave. So, 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 Derek, mia, mia. Gomen, gomen, je l'assume. Sonné. Question suivante. Lequel de ces katakana correspond à la syllabe hyu? Hyu. Combien de questions? Il y en a 15. Oh non, j'ai hésité, je me suis trompée. Oh non, Titi! Titi! C'est un nain. J'en ai 3 de juste sans la leçon pour l'instant. Bien joué, Diojin, bien joué! On est bientôt à la moitié du quiz. Bientôt, bientôt. Solo, solo. Quiz no hanbun narimasu ne. Ah là, j'ai faux. Ah! Tu penses? Ah oui, 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 oui. J'en ai perdu beaucoup là. J'en ai perdu beaucoup sur celui-là. C'est hi plus petit you. Et là, alors je vous lis dans l'ordre. Hein. Chu. En plus, on a la réponse. Hi, fiu. Gyu et kyu. Ça vous a perturbé le fait qu'il y ait Q et Gu, vous avez dit « Ah, si elle l'a mis, c'est que c'est un piège !» Moi, c'est une sans faute pour le moment. Bien joué, Derek, bien joué. Allez, question suivante, question numéro 7. Lequel de ces katakana correspond à la syllabe « Myo » ?« Myo » ?« Myo » à « Nandaro » ?« Myo » ?« Dodaro » ?» Ah, yokatta, ii ne. Ah, turi, 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 san ne. Au moins, tu n'as pas perdu de points. Exactement. Si tu cliques pas, tu perds pas de points, mais tu n'en gagnes pas non plus. Mio. C'est bon, j'ai trouvé au moins une seconde ce coup-là. Je suis à nouveau sur de bons rails. On met des taux. Ah, vous aimez bien Gyo, hein. Les Gui, vous aimez bien. Gyo. En fait, je me suis trompée. Oh non. Ah, Zanen, dommage, dommage, dommage. Ja, tsugi no chitsumon ni ikimashou ka. Tsugi, question numéro 8. Lequel de ces katakana correspond à la syllabe lia? Lia wa dochi kana? Lia, lia te. Dochi dochi. Ichitsumon da ne. Mémo technique de sensei, mi, troisième note. Bah oui, c'est la troisième note du piano. Sone, sone. Je suis trop lente à cliquer. Oh!
Faudrait que je regarde pour rajouter peut-être 5 secondes de plus. Oh, oh, c'est un perfect. Bien joué tout le monde. GG, GG, GG. Par contre, ton chat a pas mal de retard. Je sais, et je sais pas pourquoi. Et je n'arrive pas à changer. Donc, pour l'instant, voilà. Si vous avez autre chose à me proposer, je prends comme chat, mais là... Voilà, voilà. Mayu... Ah, j'adore voir pop les Kakashi, les Sasuke, là. Mon Kokoro, il fait Doki Doki. Kakashi vous applaudit tous, c'est exactement ça. Et Haruki, il fait applaudir Naruto. Allez, question suivante. Question numéro 9. Lequel de ces katakana correspond à la syllabe gyu? Gyu. En vrai, il est pas autant en retard que ça. Hein. Il est en retard quoi, peut-être grand max une minute. Donc ça va. Ça va, ça va. Je pense que ça doit être une minute. Là, je vois le bravo. On a 2, 4, 6, 8 commentaires de différence. Ah, je peux, toi, au moins, honnête. Alors, est-ce que vous avez bon pour celui-là, le gyu? Gyu ado. C'est comme ça partout, il me semble. Bah, je pense aussi, hein. Je pense aussi, il y a toujours ce décalage. Peut-être que le mien est un peu plus fort. Oh! Oh, presque imperfect. Oh! Ça amène, dommage. Presque parfait. Ça amène des sillonnés? Mada, kanpeki chanai ni. Ah, c'est Adridri, en masse. Daijoubu, daijoubu, senpai shinaide. C'est pas grave, t'inquiète pas. Allez, question 10. Lequel de ces katakana correspond à la syllabe jo? Jo wa nandaro ne? Jo. Jo, 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 jo. Bon, Adridri, je t'envoie de l'amour. On envoie de l'amour à Adridri qui s'est trompé. C'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que c'est surtout un problème de temps, car quand personne ne parle, on a l'impression que le temps est plus long. Sonne. J'ai failli me planter, mais je suis retournée sur le bon chemin. Vous me faites rire quand vous dites des trucs comme ça. Et du coup... Alors là... Celui-là n'est pas encore rentré. Pas encore. Arigato, man. Non, Sailé-chan qui se serait peut-être trompé avec le cho. J'ai pas eu le temps de répondre. C'est pas grave, t'as pas perdu de points, c'est déjà ça. Faudrait faire un mélange hiragana-katakana dans les quiz un jour. Kapoa. Oui, mais il y en aura certainement. Je ferai des quiz comme ça en début de cours de grammaire. Des quiz, je pense 5 et 5, hiragana, katakana, pour vous refaire travailler encore, même en faisant de la grammaire. Ah là 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 là, celui-là, cho et jo, et bio. Pourquoi bio, je sais pas, mais... Oh, Genki. Genki desu, Genki desu, arigato gozaimasu. Déjà qu'on n'arrive pas à retirer un alphabet, alors deux c'est mort. Mais non, c'est pas mort, il faut de l'entraînement, mais ça va aller, t'inquiète pas. Taijoubu desu, taijoubu desu. Allez, question suivante, et là je ne dis pas la réponse. Quelle est la lecture du katakana? Est-ce que c'est lia, pia, bia ou hia? Dodaro, dodaro, ne. Coucou les élèves, bonne révision. Oh, Maeva Milkuti, comment tu vas? Tu lèves à quelle heure ce soir? Tu m'avais dit 21h, je crois? Mais genre, mélanger les deux dans les réponses. Ah! Ah! Dès qu'il est le... Je peux, oui. Je peux faire ça, en effet. Va falloir que je révise absolument. Faut faire les bottes. Faites les bottes. OMG, la lenteur que j'ai. Mais ça va aller. Après, il y a les kanji et j'ai pas répondu. Ah, bah là, c'était le piège. Hein. Il y avait deux petites ten-ten. Qui se voit sur téléphone. Non, qui se voit sur PC, mais pas forcément sur téléphone, peut-être.
Waouh, elle l'a pas dit, incroyable, t'as vu? Yo, t'es olé. Non. Bon, j'avais juste la première lettre de faux. Sonné. On relativise. Allez, question numéro 12. Quelle est la lecture du katakana? Est-ce que c'est jo, sho, kyo ou nyo? Là, je suis concentrée à fond, toujours un sans faute, je veux le gagner. Tu sais, peut-être que d'autres personnes aussi ont fait un sans faute et qu'elles sont peut-être plus rapides que toi. C'est parce que t'as fait un sans faute que tu seras premier. Je l'espère pour toi, cependant. Y avait-il une erreur dans ce diapo? Non, pas d'erreur. Je taille à plus. À la prochaine, Liu Jin. Matane. Ah, Kaito qui a le bug. Le quiz qui bug. Oui, 20h30, 21h, pas trop longtemps. Naruhodo. Je sais pas moi si je viendrai jouer ce soir, je suis un peu fatiguée. Je verrai avec le fantôme, le copain, ce qu'il en pense, si je joue ou pas également, mais voilà. Prenez soin de vous. Merci Liu Jin, prends soin de toi aussi. Abunaine kyotsukatene mina. Matane, c'est la prochaine. À bientôt. Oui, ça. Matane, jane, les deux, ça veut dire à la prochaine. Et du coup, bon, on a deux petites fautes, mais c'est pas très grave. Allez, question numéro 13. Quelle est la lecture du katakana? Est-ce que c'est que, mieux, pieux ou lieu? C'est pas une vraie faute. Il n'y a pas de faute. C'est juste pas changé. Mais en soi, même la correction était bonne. Takara sa. Daijoubu ne? J'attends le moment où Sensei va dire le kana. Non, je ne le lirai pas, je fais attention. Alors, est-ce que vous avez bon? Oh, presque imperfect. Presque. Du coup, il y a 18 fautes. Mais non, c'est pas des fautes, c'est un oubli, mais c'est pas une faute. C'est pas pareil, ok? Ayez un peu pitié de moi, s'il vous plaît. Ah! Est-ce que ce serait Ancien par hasard qui aurait fait cette petite faute? Aussi, le malheur indique de suite le P. Ben oui. Le P, sonné. J'ai déjà noté un timecode. Ah bon? Allez, avant-dernière question, quelle est la lecture du katakana? L'autorité de Sensei est plus présente que les dodos sur terre. Ah, c'est quoi cette punchline là? Ah non, hein? C'est quoi ça? Ah non, pas du tout. Ah non, hein, j'ai dit non. Non. Neme. Par contre, elle pèse plus dans le game qu'un T-Rex. D'accord. Oh, c'est un perfect. Bien joué. Clap dans le chat. Omedetto, Mina. Omedetto. On arrive à la dernière question. On va y arriver. Clap. Sonne, Mina. Mina Jose. Allez, dernière question, et je ne lirai pas. Quelle est la lecture du katakana? Est-ce que c'est cha, sha, hya, ja? Dochi desu ka? Dochi. Dodaro ne. Ça finit en A. Sonne. Je l'ai entendu. Mais non. Non, à moins que je fasse des choses inconsciemment.
on montre la réponse. C'était Cha. Ah, ce n'est pas un sans faute, Zanen. Pas eu le temps de répondre. J'avais un perfect jusque-là. Oh non, Tiradi. Zanen. Et c'est un sans faute, c'est déjà pas mal. Bien joué. Perfect pour moi. Bien joué tout le monde. Je pense que peu, en soi, il n'y a pas eu beaucoup de fautes. Donc ça va être, je pense, pour le classement, le top 3 là, il va être serré. Il va être serré. Oh, et c'est Pax Sam qui n'a pas parlé du tout de tout le jeu qui a réussi. Je veux des clap dans le chat pour Pax Sam. C'est Goinja. Iné. Alors après, on a quelqu'un d'anonyme. Serait-ce peut-être Derek? On ne voit pas le nom malheureusement. Suivi de Éponyme, Charlie, Shania, Petit Radis, Mailleux, Peur et Kalinours. Bien joué! Et en deuxième position, Jessica. Bien joué tout le monde, bien joué! Clap! vous devez être beaucoup à faire des sans fautes du coup. On met des taux! Position 0 comme toujours. On ne change pas une équipe qui gagne. Oh, bien joué Jessica du coup. Oh, merci Kalinours, je bois ta santé, arigato. Kampai. Et oui, un sans faute pour moi, juste dodo au début. Oh, Omeneto Mina, bien joué tout le monde. Bien joué, très très bien. Yosha. Bon ben, j'ai bugué. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il t'a qu'il passe. Bon appétit si tu manges, Éponine. Alors les gens, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient d'être fait aujourd'hui, sur ce qui a été fait avant, de manière générale? T'as joué les scores. Pas de questions. Ça va. T'as joué ça. On mange quoi ce soir? Je sais pas. Namour? On mange quoi ce soir? Mais le chat, il demande. Il a dit, ils verront, mais vous verrez pas. S'il te plaît. J'espère que vous n'avez pas entendu, je ne le répéterai pas. J'ai vu que je commence à 15h demain, je vais vite me sauver. Matané. Ah, matané, Derek. Merci d'être venu. J'aurai un mail demain. Pour le marque-page, oui. Non, ce soir, je vais le faire ce soir, comme ça je suis tranquille. T'auras ça ce soir. Il y a tout le monde qui s'en va pour manger. Bon, à ce que je vois, il n'y a pas de questions. En tout cas, c'est super, merci. Bah, avec plaisir. J'espère que tu reviendras. Donc, les cours, de toute manière, tous les lundis et jeudis à 18h30, ça ne change pas. Donc, vous savez quand venir. Alors, petite habitude ici, c'est de raid une chaîne. Donc, est-ce que vous avez une recommandation? Voilà, comme ancien nous dit, on squatte qui? Matané, tout le monde. À la prochaine, tous ceux qui s'en vont... A bientôt, j'espère. À la semaine prochaine, lundi prochain. Continue les katakana. Arigato sensei. Oyasumi nasai. Ah, matane paksan. Arigato gozaimasu. Un super moment comme d'habitude. Merci, vous êtes trop chou. Merci beaucoup. Tof qui stream encore. Mais non, mais... Mais il est quelle heure? Non. Il est super tard au Japon, là. Bye bye, matane. Matane, Maeva. Tane. Personne ne stream? Vous avez personne à recommander? Il est 3h du mat, bah ouais. Abusé. On va taper la lettre A. Qu'est-ce qui sort en premier et qui a pas beaucoup... Oh, on va stream Tofu! Tofu... Guys... On va stream Tofu, on est bêtes!
C'est évident. C'est évident. Attendez, parce que je vais entendre ça, moi. Je vais entendre la réaction de Tofu. Il est où, Tofu? Bon, les gens, je te le disais, go, j'avais raison. Mais oui, mais oui. Bon, tout le monde, je vous souhaite une très bonne soirée. Révisez bien. Si vous avez des questions, je suis disponible sur le Discord, n'hésitez pas. Pour les subs, je vous mets les diapos et les devoirs là, ce soir, normalement. Petit message de pour toi au feu, qu'est-ce qu'on lui met? On n'a qu'à lui mettre coucou. Mettez-lui en katakana. Attends. Non. Mettez-lui Tsuroshu. Tsuroshu. Mettez-lui ça. Attendez. Je vais vous le mettre. Un tout. Comment on fait un tout? C'est to et u en katakana. Katakana. Tsuroshu. Parce qu'on n'arrêtait pas de dire qu'il était trop chou. Tsuroshu. Tsuroshu. Hop. Allez, des bisous tout le monde. Bonne soirée à vous. À la prochaine. Des bisous. Tout ça, vous avez l'habitude. Matane. Matane, minasan. Kite kurete arigato. Merci d'être venu.